So, dear colleagues, dear friends, for those of you who don't know me, my name is Mirella Sciutarici, and I'm the Director of Policy at IGVA. I will be moderating this last session for today, which focuses on partnership. And I'm glad that many of you are back. I know it has been a long day, full of interesting discussions, but also a bit tiring. But the fact that many of you are back in the room shows us of the interest and the importance you give to this session, which is on partnership. And throughout the day, we heard a lot about the current challenging humanitarian landscape and on how much we have a gap between rising needs and the funds available. We heard also a lot about the partnership and the importance of having the correct partnership in place. And the two go very well together because in order to manage to navigate the current challenges, we need to have adequate partnerships. We need to strengthen collaborative efforts. That's why also in 2007, the Global Humanitarian Platform and many other organizations, IGVA included, worked together on the principles of partnership. And since then, we have been promoting these principles of partnerships in relation to states, but also to UN agencies, in relations between each other, and also private sector. But how are we doing today? Are we managing to build fair and justice partnerships, or our partnerships further aggravating existing inequalities and power imbalances? What are the values driving our partnerships, and how are they translated into concrete contractual arrangements? What is our vision on partnerships, and how is that finally translated into concrete clauses of how much and under which conditions? These are some of the questions that this session will consider, and I have the privilege to have four excellent panelists to contribute to the discussion together with all of you. Allow me, please, to introduce the speakers. First, joining us online from Washington, D.C., Mr. Matthew Nims, Deputy Assistant Administrator of the Bureau of Humanitarian Affairs, USAID. Welcome. With us here in the room, Mr. Misikir Tilahun, Executive Director of African Humanitarian Action. Ms. Hazel DeVet, Deputy Director of the Office of Emergency Programs at UNICEF. And Ms. Sarah Furman, Director of Humanitarian Policy at Interaction. Welcome to you all. I look forward to hear from each and every one of you. I have prepared a few questions for you to guide your intervention. And after your interventions, we'll open the floor for questions and discussions with all the participants. I would like first to give the floor to Mr. Matt Nims. Matt, thank you very much for joining. You are in a very important position in a very influential state, which is also the largest humanitarian donor. So, of course, a lot of responsibilities on you and your office. And we have followed with great satisfaction some recent investments and work from your office. I refer to the guidelines on localization, but also to the more recent acquisition and assistance strategy, which also refers to partnership. My question to you is, what are the aims and values of your partnership engagement with NGOs? And also, what steps are you undertaking to implement them? Thank you, and the floor is yours. Merci, merci à toutes et à tous. Merci tout particulièrement d'avoir créé un espace dans lequel je peux intervenir virtuellement. Je préférais être là en personne et je suis désolée pour que ce ne soit pas possible.
mais c'est quelque chose auquel nous pourrons apporter remède dans le futur. Mon nom est Matt Nims, je suis le DAA ici, l'administrateur adjoint du Bureau des affaires humanitaires. Je suis ravie d'être ici avec vous et je sais que de nombreux de vos collègues du Bureau des affaires humanitaires sont également là et je pense qu'elles auront plus de détails et d'informations au fur et à mesure où nous avancerons. J'aimerais pouvoir dire et souligner que en tant que directeur exécutif, pardon, que administrateur adjoint, Monsieur Charles, qui est le directeur, lui, l'administrateur, aimerait être ici en personne ou en ligne, mais malheureusement, il a dû se rendre à une autre réunion et elle est désolée de ne pouvoir être là. Et il y avait un conflit d'agenda, mais sachez que, comme tout le monde au Bureau des Affaires étrangères du USAID, est ravi de ce partenariat et ravie de pouvoir travailler avec chacun, chacune d'entre vous. Pardonnez-moi, mon téléphone sonne. Alors, je suis ravie de pouvoir être ici et je suis ravie que IGVA organise ces conversations critiques et beaucoup de ces conversations, je crois, particulièrement dans la catégorie des partenariats, sont les mêmes questions dont parle le Bureau des affaires humanitaires et y compris l'agence de manière générale, USAID, et par le biais depuis le grand compromis et avant, je crois qu'il y a eu le même niveau d'attention concernant les partenariats et également pour pouvoir les pousser vers de nouvelles limites. Je crois que nous avons toujours su, en tant que donateur de USAID, nous sommes ici, nous sommes importants et ceci en raison de notre travail avec notre partenaire et ces relations sont cruciales pour avoir du côté humanitaire, pour être en mesure d'avoir l'impact que nous pouvons avoir dans ces espaces. Et ce sont des partenariats. Et je crois que nous sommes à un point de pivot en raison de l'organisation aujourd'hui à Washington. Et avec ce focus sur la localisation, je crois que ça va être un sujet important. Alors que nous avançons dans la discussion aujourd'hui, nous sommes à ce point où, avant de parler avec vous, et avant d'établir des objectifs pour parler, préparer le panorama pour des changements culturels, des changements de processus, de personnes qui regardent comment nous répondons en tant que bailleurs de fonds, comment nous répondons mieux à des partenariats plus amples avec des partenaires locaux. Je crois que c'est un moment très excitant d'observer tout ceci. Et je crois qu'il soit important d'en demander un. Et je crois que nous sommes en mesure de participer dans des espaces comme celui-ci. Il est important de voir comment nous allons faire ceci. Et des espaces comme celui-ci sont extrêmement importants pour avoir les leçons et les idées nécessaires. Et de savoir ce qui limite nos habiletés à faire ce travail. Nous sommes excités, nous sommes très enthousiastes du côté du Bureau des affaires humanitaires de pouvoir lancer un nouveau programme avec le secrétariat d'IGVA pour organiser toute une série de réunions en amont et nous allons avoir plus d'informations de la part de partenariats de différents niveaux pour pouvoir savoir comment avancer le seuil de localisation. Et enfin, j'aimerais prendre l'opportunité de remercier Ignacio pour ses illustres services à IGVA et de savoir combien il a été formidable de travailler avec lui dans les différents espaces. Je voudrais reconnaître cela dans l'implication et nous leur souhaitons le meilleur dans ces prochaines étapes et nous avons hâte de travailler avec IGVA j'arrête mes remarques et j'avance vers un prochain sujet. Ignacio est là dans la pièce.
Bien sûr, il est là dans la pièce. Je suis sûre qu'il est ravi de tes commentaires, vos commentaires. Et donc, il sera ravi de vous inviter à notre prochaine réunion. Et la prochaine fois, nous espérons que vous serez là en présence. Et nous aurons des opportunités pour être en contact direct avec les membres locaux. Nous sommes ravis de soutenir les initiatives prises par le Bureau des affaires humanitaires. Et nous avons de nombreuses ONG locales et internationales dans la pièce qui font ce travail. Et nous sommes certains qu'ils auront des questions concrètes sur l'implication du Bureau des affaires humanitaires pour le travail local. Misikir est là avec nous et sur les réalités nationales. Et parce qu'il est exécutif directeur d'une organisation régionale qui travaille sur les programmes en Afrique de Monsieur Misikir. Merci tout d'abord d'être ici. Et à quoi ressemble un partenariat équitable? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Quelles solutions proposez-vous? Merci. Merci Mirella, c'est la première fois que je prends la parole aujourd'hui. Et merci à Igva de nous permettre de revenir dans cette conférence qui est pour nous réunir dans différentes parties du monde pour parler de ces discussions difficiles et de ces défis auxquels nous sommes confrontés. Comme ça a été dit ce matin, Igva n'a jamais eu peur de poser les bonnes questions et de créer des forums pour ces questions. Et je crois que le staff du secrétariat, le comité, je vous remercie de nous avoir réunis ici une fois de plus. Merci. En termes de partenariat égalitaire, je me souviens hier, pendant le membre des États, pardon, la réunion des membres hier, lorsque nous avons parlé de DEI, diversité, équité, inclusion au sein de notre propre organisation, eh bien, cette notion était exprimée que l'équité ne veut pas nécessairement dire égalité. L'équité se réfère au fait d'arriver à avoir l'équité dans notre système, alors que l'égalité s'affaire à l'égalité, quelque chose de juste versus quelque chose d'égal, de similaire. Et le cas est le même pour de nombreuses organisations dans de mêmes scénarios. Notre poussée pour des partenariats égalitaires n'a jamais eu pour but d'arriver à l'égalité pour nos partenaires internationaux et nationaux. Nous n'avons jamais commencé sur une base égalitaire. Et, oups, on peut passer. Et nous avons passé l'action humanitaire est tout à fait marquée par des circonstances inégales, y compris le colonialisme, la construction d'empires. Et nous ne sommes pas en train d'essayer d'arriver à l'égalité. Nous ne voulons pas être égaux à nos partenaires internationaux. Pour nous, les partenariats équitables devraient arriver à être justes dans nos résultats, dans la manière dont nous approchons des projets spécifiques et non de la manière dont nous travaillons de manière juste et dans ce type de situation. Et lorsque nous avançons, et c'est parce que nous essayons d'obtenir pour un partenariat égal. Et nous n'avons pas de limite en ce qui concerne la reconnaissance au sein du système humanitaire. Les partenaires locaux sont souvent les premiers sur le terrain pour répondre aux urgences et pour les premières également à répondre aux urgences. Ils sont également ceux qui restent présents suite aux crises. Et quand on parle de réhabilitation, donc tout le monde sait de quoi nous parlons. Ceci a été répété plusieurs fois aujourd'hui. Ce que nous attendons est ce que nous espérons, c'est un investissement égalitaire et équitable pour que nous puissions anticiper, coordonner et répondre aux crises, et parfois même avant que celles-ci aient lieu, et pas seulement quand celles-ci ont lieu. Et pas l'accès aux ressources et dans les situations, et donc le même accès aux ressources et que nos partenariats globaux. Et nous sommes souvent isolés des cercles de prise de décision.
Et en tant que résultat, nous sommes extrêmement chargés, nous manquons de ressources, nous sommes sous-préparés et nous ne pouvons pas répondre efficacement aux crises. Et donc, pour rejoindre l'équité et dans les partenariats, je voudrais dire ne pas seulement reconnaître ses limitations, ses limites, mais comme Matt l'a dit, le moment est arrivé au-delà de la reconnaissance des limites, mais de passer vers des investissements intentionnels qui permettraient de soutenir notre capacité de répondre. Et donc les situations où nos partenaires ne sont pas en mesure de financer directement des acteurs locaux, ceux-ci ont tendance à passer par le biais d'intermédiaires. Et donc les intermédiaires sont soutenus par les ressources pour soutenir ces canaux de responsabilité, pour minimiser les risques et pour s'assurer que les partages inéquitables des ressources arrivent jusqu'aux acteurs nationaux et internationaux. Mais pour toutes les bonnes volontés que nous voyons dans les capitales et dans les conversations comme celle-ci, de la part des personnes dans les sièges, ce que nous voyons souvent au niveau des pays est un autre canal qui crée un autre déséquilibre de pouvoir. Et nous voyons souvent des intermédiaires qui assument les rôles de chefs, et qui souvent prennent, et nous allons voir ce que nous allons faire, et cet argent vient vers nous, nous établissons des objectifs, nous voyons quels sont les objectifs, nous établissons quels sont les besoins, et lorsque nous travaillons avec des intermédiaires. Et souvent quand nous faisons l'un mois ou quand ceci a lieu, et nous perdons l'opportunité de pouvoir faire levier avec nos propres capacités, notre propre potentiel pour de répondre adéquatement aux désastres. Et donc, ces rôles déséquilibres qui souvent amènent à un climat de manque de confiance, cette idée de manque d'équité dans nos partenariats. Certains des défis que nous confrontons dans nos partenariats et que dans l'accès aux ressources. Les fardeaux administratifs, et bien que nous sommes appuyés des ONG régionales ou du Sud, et bien ces procédures sont très lourdes pour nous et ils requièrent beaucoup de temps pour nos salariés, pour nos charges. Il faut parfois même des positions salariales en plus pour lesquelles nous n'avons pas les ressources pour pouvoir avoir accès à ces bourses, ces fonds. Certaines exigences se réfèrent à nos collègues aujourd'hui mentionnent les exigences d'avoir des besoins et qui sont enregistrés au sein de l'Union, d'exister au sein de l'Européenne pour pouvoir avoir accès à fonds. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître bientôt et ceci crée des modalités qui incitent les personnes à travailler avec des intermédiaires, ce qui peut être OK de travailler dans certains cas. Et comme nous n'avons pas la capacité de répondre à tout ceci pour travailler par le biais d'intermédiaires, mais si ces relations intermédiaires ne sont pas équitables, cela crée une autre limite pour des situations, des partenariats adéquats. Et parfois, nous voyons ces biais spécifiques dans la chaîne transactionnelle qui amènent à des coûts accumulés de la part des donateurs et les intermédiaires et jusqu'aux personnes dans le besoin. Et c'est un des défis auxquels nous sommes confrontés. Et il y a également des procédures, des retards dans les procédures qui retardent également les activités qui peuvent retirer le problème. Que proposons-nous? Je ne parle pas de quelque chose de révolutionnaire dans ce sens, mais je crois que a été en amont du problème pour pouvoir identifier le problème du système et en proposant des situations révolutionnaires. Et vous avez mentionné
La plateforme humanitaire il y a 15 ans, où les principes de partenariat ont soulevé ces principes d'égalité, de transparence, qui ont mené à des processus complémentaires. Et alors que nous faisions des progrès pour inculquer ces concepts au sein de notre travail quotidien, eh bien, certains de ces principes humanitaires sont disparus. Nous sommes passés au grand compromis, et le grand compromis 2.0 maintenant. Et donc, nous sommes en avance sur les processus en termes d'identification de ce qu'il faut faire. Mais je crois que l'action révolutionnaire dont nous avons besoin est la mise en œuvre de ces idées pour tout le bien qui a été fait pour identifier les problèmes et pour trouver ces idées qui manquent et de déplacer les besoins, de trouver des solutions pour aller vers le changement. Et je crois qu'à ce point, nous n'avons plus besoin de déplacer les aiguilles, nous avons besoin de détruire, de baisser les murs, de tout détruire. Nous avons besoin de marteau kippers pour tout décrocher les barrières. Et nous avons besoin de vrais changements en profondeur. Ceci n'est pas quelque chose qui a lieu simplement parce que nous le disons. Il faut des efforts concertés pour des personnes comme Monsieur Nims, des personnes qui, dans sa position, qui prennent des décisions décisionnelles en tant que détenteurs de ressources et par ceux qui gardent les portes des couloirs dans lesquels sont prises les décisions. Et puis ceux qui répondent au premier rang et qui puissent répondre à leurs besoins. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Vous avez apporté des éléments importants et intéressants. J'ai apprécié votre point par rapport à notre diversité, justement, et que c'est une force et nous devrions l'exploiter en ce sens. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir ce respect les uns des autres, de notre différence, et nous devons bien sûr l'utiliser pour mieux collaborer, pour aider les personnes impactées par les crises. Et donc, j'ai apprécié également la mention de votre bureau, etc. Maintenant, nous allons tourner vers l'UNICEF. J'ai la même question pour vous. Donc, quelles sont les valeurs de l'UNICEF par rapport à ses partenariats avec les ONG et quelles étapes concrètes prenez-vous pour les mettre en œuvre? Bon après-midi. Et avant tout, je suis ravie d'être ici en personne. Je viens de revenir d'Istanbul. Je voulais vraiment être présente ici. C'est la première fois que je suis là auprès d'ICVA, car je suis nouvelle à ce poste en tant que directrice adjointe au bureau des programmes d'urgence. Je pensais qu'il était important pour moi d'être présente et de répondre positivement à cette invitation. Je remercie Igvio et l'équipe de m'avoir invité. Donc, je vais vous fournir des informations assez concrètes sur pourquoi nous devons collaborer avec des partenaires et pourquoi la question ne se pose même pas. L'UNICEF ne peut pas répondre aux exigences humanitaires ni de développement si nous ne collaborons pas et nous n'avons pas de partenariats effectifs. J'ai demandé quelques faits intéressants. Donc, nous collaborons avec presque 6 000 partenaires ONG partenaires. Je crois qu'en 2022, l'UNICEF a transférer 2,9 milliards aux partenaires, gouvernement et ONG. Et je crois que 57% de ce montant, 1,6 milliard, a été alloué directement aux ONG. Et je crois 62% ou 1 milliard à des ONG locales. Nous avons également donné plus de 35% en liquide à ces ONG. Donc, je crois qu'il s'agit d'une mise en œuvre des principes du grand compromis. Et enfin, par rapport à la voie humanitaire de nos financements, 79% de notre financement
a été alloué à des organisations de la société civile l'année dernière, ce qui est une augmentation par rapport à 2021. Donc, il ne s'agit pas uniquement des financements, mais juste pour vous donner des chiffres exacts par rapport à ce que nous faisons. Je souhaitais également reconnaître notre partenariat avec l'IGVA qui date. Et grâce à ce partenariat, nous avons pu, il y a plusieurs années, entreprendre un niveau d'évaluation et de compréhension pour comprendre l'environnement mondial de l'ONG et comment, du monde des ONG et comment l'UNICEF agit auprès de ses partenaires, surtout dans le domaine humanitaire. Alors d'abord, les aspects positifs. Alors, tout ce qui se passe bien en premier lieu. Tout d'abord, pourquoi nous souhaitons travailler ensemble, et je crois que c'est évident, c'est parce que nous avons des engagements communs, bien sûr. Nous sommes là parce que nous souhaitons aider les enfants et leur communauté, bien sûr. Cela est évident. Ensuite, bien sûr, ce qui est également très important, c'est le résultat d'une analyse conjointe de mise en œuvre, de planification de réponse, surtout autour de plaidoyer ou également. Je crois que ce qui est important, c'est le fait que nous sommes présents sur le terrain. Pas juste au niveau mondial, pas juste au niveau régional, mais également au niveau national et au niveau sous-national. Donc, 80% de nos employés, je crois que c'est dans une centaine de pays, est sur place. Il y a également une expertise technique très forte, donc nous pouvons apprendre des uns des autres. Et bien sûr, nous nous concentrons sur la nutrition, la protection des enfants, l'aspect sanitaire, etc. Et cela nous apporte des bases pour intervenir de façon très concrète en matière de ce que nous pouvons faire. Ensuite, par rapport à notre gestion de partenariat, je crois que le portail de l'ONU, bien sûr, est très important. Nous collaborons avec le HCR et d'autres organisations qui nous aident à améliorer les partenariats, clarifier les informations, les processus, etc. Donc le PAM également. Quoi d'autre? Alors, je vais être très honnête. J'ai rejoint l'UNICEF après 15 ans alors que je travaillais dans le domaine de la paix. L'UNICEF n'est pas une organisation facile, même pour moi. C'est une organisation complexe qui est grande et il n'est pas facile d'y travailler. Donc, nous avons des accords, nous avons des cadres juridiques et nous devons respecter tout ceci, ce qui représente un certain nombre de défis. Donc, au vu du fait que nous sommes très décentralisés, vous parlez à quelqu'un au niveau mondial, vous aurez un point de vue et sur le point de vue, si vous allez au niveau régional ou du pays, eh bien, vous aurez des points de vue différents encore. Donc, nous reconnaissons que lorsque les organisations sont très grandes, malgré le souhait que nous souhaitons être structurés, organisés et clairs, eh bien, nous avons donc cet accord de programme de coopération qui n'est pas facile à appliquer. Et comme l'a dit mon collègue, très clairement, lorsque vous avez parlé des intermédiaires, vous travaillez pour nous, ou nous ne travaillons pas avec vous. Et je comprends effectivement, et parfois je suis très fière d'être à l'UNICEF, et je suis très reconnaissante, car nous savons que nous avons une représentation incroyable, mais bien sûr, il n'est pas facile de maintenir des partenariats, et bien sûr des partenariats équitables lorsqu'on a le nom d'UNICEF. Comme je l'ai dit, je reviens d'Istanbul, il y a eu donc une formation mondiale au niveau du leadership. Et nous reconnaissons donc ces problématiques, mais bien sûr, il n'est pas facile de changer et de faire de la transformation à ce niveau. Mais je sais que nous y viendrons.
et nous trouverons un moyen d'augmenter ou d'améliorer l'environnement où les partenariats sont plus équitables. Et nous avons changé un mot, mise en œuvre de partenariat, et maintenant nous allons parler de partenaire tout court. Et donc pour moi, ça c'est une transformation culturelle. Nous reconnaissons le besoin, donc même au sein de notre organisation, qui à 75 ans peut encore changer. Et enfin, je souhaite répéter et revenir sur la complexité de nos structures, du fait que nous sommes décentralisés. C'est quelque chose que nous reconnaissons, bien sûr, mais au vu des besoins collectifs et dans l'intérêt des enfants et des communautés, nous pourrons travailler et aller au-delà de ces problèmes qui sont lourds en matière de bureaucratie et autres. Alors, comment avancer et aller travailler au-delà de ces problématiques? Si l'on réfléchit de façon systémique, des comités, bien sûr, interagences. Alors, je n'aime pas ce mot intermédiaire, j'aimerais utiliser un autre terme, mais l'UNICEF et Oxfam coprésident donc les axes de travail. Donc, bien sûr, nous avons pu regarder les frais généraux. Donc, ça, c'est concret. Nous avons pu compléter le travail, le finaliser, bien sûr, c'est compliqué puisqu'il faut regarder toute la documentation juridique. Et je suis certaine que mes collègues seront d'accord entre les avocats, les processus de financement, etc. Il n'est pas facile d'agir en tant que partenaire équitable puisqu'il y a, bien sûr, des exigences qu'il faut remplir, des critères, etc. Mais nous avons réfléchi à comment améliorer la situation, donc c'est un travail en cours et je suis confiante, nous trouverons la voie pour améliorer ceci. Je crois que ce qui est très clair, c'est que nous avons pu renforcer toute la relation autour des principes. Ça, c'est également très concret, très clair. Et dans le contexte du monde humanitaire, nous allons nous assurer que les principes soient reflétés correctement. En matière de partenariat, eh bien, en 2023, nous allons publier les consolidations de nos accords. Donc, nous examinons la notion de proposition unique pour les procédures d'urgence, par exemple. Et toute la problématique de la localisation qui doit être améliorée, la réduction des frais généraux pour les partenaires locaux et la possibilité de regarder des flux de financement multiples. Mais très honnêtement, notre demande, l'UNICEF était 11 milliards et nous constatons que les financements sont de moins en moins souples et spécifiques. Donc, cela se complexifie. Il y a un intérêt, les besoins sont là, mais les financements sont complexes. Et enfin, je voulais dire que le besoin est de mieux communiquer avec vous tous, donc au niveau de nos procédures de partenariat. Donc, nous comprenons cela et nous savons comment nous y prendre. Je dois également dire que par rapport aux inquiétudes qui ont été soulevées, nous échangeons avec nos officiers juridiques par rapport à la clause de l'accord de coopération des programmes, PCA. Et je réitère que notre collaboration avec IGVA, notre forum annuel des ONG qui se déroulera plus tard cette année, nos deux sessions virtuelles sont en cours également. Et je crois que cela est également important. Et enfin, nous allons bien sûr renouveler notre engagement auprès des principes de partenariat, puisque je crois qu'il est important d'y revenir et de les reformuler pour être clair, qualité, transparence et résultats orientés, les approches orientées sur les résultats ainsi que financement de qualité. Merci. Merci beaucoup. Et je dois avouer que j'ai
travaillé avec une tech pendant quelques années. J'étais très fière de cela. Et votre organisation n'est pas complexe, mais plutôt compliquée. Et bien sûr, nous sommes fiers de cette collaboration. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble pour le renforcement des partenariats UNICEF, ONG. Et bien sûr, nous tentons de comparer les années précédentes avec aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, c'est une organisation qui est grande. Et nous avons peut-être une bonne collaboration avec IMOPS, donc le bureau des programmes d'urgence. Mais nous tentons de maintenir ces processus et ces partenariats équitables. Et nous allons bien sûr tenter de mettre en avant les problématiques que nous pensons méritent une amélioration. Maintenant, je donne la parole à Sarah Furman, directrice de la politique humanitaire à Interaction. Nous collaborons de façon rapprochée avec Interaction, comme avec Voice A4AP, qui est présent ici, et avec toutes sortes de réseaux qui sont représentés ici aujourd'hui. Et nous entendons souvent les mêmes plaintes de la part de nos membres par rapport au partenariat. Donc, quelles sont des demandes qui vous sont faites de la part des ONG et que pensez-vous qui est nécessaire en matière de plaidoyer? Quel est le potentiel en matière de plaidoyer et comment allons-nous répondre à ces demandes? Je suis désolée, merci Mirella de m'avoir donné la dernière, posé la dernière question du dernier panel du dernier jour de la semaine. Donc, brièvement, c'est facile mais c'est très difficile car évidemment c'est vendredi après-midi, donc il est difficile de dire ou d'apporter du nouveau. Je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ont dit mes collègues. Je crois que entre la COVID, la réponse à la guerre en Ukraine, les inondations dans la Corne de l'Afrique, etc., nous ont permis d'apprendre beaucoup sur les partenariats. Je crois que nous savons tous à quoi ressemble un bon partenariat lorsque nous le constatons, lorsque nous avons des relations de travail qui fonctionnent, lorsque la communication est facile. Ou en tout cas lorsque il est facile ou en tout cas évident de trouver des solutions en matière de mise en œuvre, mais nous savons également comment les partenariats peuvent être difficiles et comment les choses peuvent mal tourner. Je crois que nous avons tous des exemples de à quoi cela ressemble, de l'effet que cela a et de comment cela impacte notre travail et les communautés que nous tentons d'aider. Donc, comme l'a dit Miskir, nous sommes là, nous savons ce qu'il faut faire maintenant, faisons-le. Comment le faire? Très brièvement, je crois qu'il y a des choses qui sont faciles à dire, mais difficiles à faire, ce que nous entendons de la part de nos partenaires. C'est que nous devons améliorer la confiance entre les acteurs du système. Et le manque de confiance relève de la responsabilité fiduciaire des donateurs et des intermédiaires. Les bailleurs de fonds sont responsables du fait de la dépense adéquate des fonds qu'ils allouent au gouvernement. Et parfois, le manque de confiance est dû au risque. Et chacun de nous a peut-être une perception différente, car nous avons chacun une idée des risques, de ce qu'ils sont, de comment les gérer. Et très souvent, cela dépend ou résulte d'une approche
en silo. Et parfois, ce manque de confiance dans notre secteur est à cause de sexisme, de racisme ou de paternalisme. Et ici, moi, je représente bien sûr le Nord global et ne n'appliquons pas nos visions partiales sur ce que nous tentons de faire dans notre travail et de mettre en œuvre, et nous devons prendre sur nous pour comprendre, voir comment nos approches sont parfois biaisées et comment nous devons les changer. Maintenant, vous pensez peut-être qu'il y a une réponse qui est d'éliminer le racisme, et bien cela va être facile. Le racisme structurel est quelque chose de difficile et qui va prendre très longtemps et c'est bien plus longtemps que nous n'aimerions. Et donc, que pouvons-nous faire maintenant? Donner un préavis aux personnes qui embarquent avec nous, et donc cela veut dire donc être plus transparent au niveau des décisions budgétaires, au niveau des fonds, et fournir donc des orientations universelles et claires par rapport aux coûts du personnel, par exemple, du coût de fonctionnement. Et donc ceci, bien sûr, doit être allégé au niveau des financements pluriannuels. Et je crois que l'initiative de tenir compte de la position des partenaires est essentielle, même si cela n'est pas officiellement requis au vu du fait que nous avons du pouvoir. Donc, je veux par exemple souligner le sondage qui est effectué par le HCR et également le PAM l'année dernière qui a fait un sondage FLA qui semble évident ou peut-être une perte de temps parfois, mais qui nous apporte des preuves des changements qui sont nécessaires et des définitions de priorité. Parce que nous échangeons sur un plan égalitaire, nous devons nous permettre une certaine souplesse. Et je pense que chacun de vous qui êtes dans la salle avait travaillé sur une crise qui a changé au niveau des besoins, au niveau de l'endroit, du lieu, et nous devons bien sûr être assez souples pour pouvoir changer l'allocation des ressources, le flux des financements, notamment. Et nous constatons qu'il y a des changements encourageants, des transformations, certaines agences de l'ONU, certains bailleurs de fonds améliorent la souplesse de leur financement. Nous en demandons davantage. Continuons sur cette voie et continuons de nous engager et d'échanger avec tous les acteurs du domaine humanitaire. Ceci est essentiel pour comprendre les causes principales des problématiques et de nous aider à développer des solutions pratiques pour apporter des solutions et aider les communautés avec qui nous travaillons. Ceci, bien sûr, dépend de l'implication des ONG locales et de la société civile. Alors, il y a par exemple le grand compromis et d'autres accords qui ne sont pas simples, mais qui nous proposent des moyens d'inclure tous les acteurs du système.
Mais ces plateformes, selon moi, ne doivent pas être responsables de toutes les problématiques. Nous sommes responsables de toutes les problématiques également. Et nous avons besoin que tout le monde agisse de façon proactive et participe activement pour pouvoir répondre aux besoins du monde entier. Et je souligne ce point car, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, le grand compromis 2.0 arrive à sa fin et moi, je suis inquiète que notre engagement collectif envers ce grand compromis est toujours en attente. Donc, nous vous encourageons, en tant que signataire, à renouveler votre engagement au grand compromis. Nous sommes tous ensemble dans la même barque. Les besoins humanitaires ne diminuent pas. Nous faisons tous partie de ce système, de cet écosystème humanitaire et de tous les risques que celui-ci porte. Et ce que je veux dire, c'est que nous ne pourrions pas agir seuls, aucun de nous, ou les uns sans les autres. Donc, souvenons-nous de cela dans tous nos dialogues, nos échanges et nos partenariats. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, je suis ravie d'entendre votre point de vue. Vous avez été très précise par rapport aux attentes des ONG en matière de politique, en matière d'anticipation, parmi d'autres. Et j'espère que toutes les agences de l'ONU et tous les donateurs et bailleurs de fonds dans la pièce ont pris note de ces suggestions. Sinon, cette session est enregistrée. Et nous pourrons bien sûr partager ceci avec vous et s'assurer que nous suivrons les résultats de cette discussion. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc sans plus tarder, nous allons donner la parole au public. Nous avons plusieurs intervenants qui sont ici tout devant, de la Jordanie, du Soudan ou autre. Il y aura 4 questions en plus ensuite. Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport aux partenariats équitables, il n'y a toujours pas d'égalité et d'équité en termes de pourcentage de ce qui est distribué. Certaines organisations et donc les organisations, les ONG nationales sont celles qui ont le plus grand besoin de fonds. Et nous commençons à regarder 60% de fonds aux ONG locales. Et nous avons donc les ONG internationales. Et d'un autre côté, et quel changement, quelle mesure va prendre USAID pour s'assurer qu'il y ait des donateurs intermédiaires pour que les ONG puissent avoir des fonds, plus de fonds? Et je suis ravie que le matin, Oxfam ait dit qu'il donnerait 50% de leurs fonds aux partenaires locaux. Et ce sera très aidant. Merci donc. Merci aux panélistes pour ces excellentes présentations. Et je suis d'accord que nous devrions être optimistes. Et nous devons regarder les questions de budget, les fondations, les partenariats, sur de termes plus adéquats. Mais soyons pratiques un petit peu. Je crois que la mission d'harmoniser les conditions
des fonds et inadéquate, puisque chaque dollar a sa propre politique, ses propres objectifs, et y compris les donateurs eux-mêmes sont contrôlés par les parlements, les gouvernements de chaque pays, le Canada, qui ont des fonds pour la sécurité, pour l'USAID, le genre, etc. Et la question est comment simplifier les conditions des donneurs, des bailleurs de fonds, et comment faire en sorte que s'assurer que les ONG, qu'il y a des coûts et que les donateurs puissent aider les ONG à rétablir leurs propres propositions. Je sais que par expérience, certaines ONG n'ont pas les compétences pour écrire les propositions. Comment les donateurs peuvent-ils les aider et nous assurer que de l'autre côté... Et il y a de la compétition entre elles. En Jordanie, il y en a plus de 60 000. Et j'entends plus de 15 000, 60 000. Et ceci devrait être en mesure d'écouter ceux qui sont actifs sur le secteur, qui délivrent du travail. Et nous devons voir... Et les donateurs devraient savoir qui est actif, qui utilise les fonds de manière transparente. Et les récipiendaires devraient également convaincre les donneurs de ce qu'ils sont pertinents, qu'ils reçoivent ces données. Je crois que nous allons clore maintenant cette tour de questions afin de donner une chance à nos panélistes d'y répondre. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci aux panélistes. J'ai quelques questions directes. Et les collègues de IH, de l'Institut humanitaire de USAID, et c'était beaucoup de fonds. On entend très très mal la personne. On va demander que la personne mette son micro. D'égalité et d'équité en termes de pourcentage de ce qui est distribué. Certaines organisations et donc les organisations les ONG nationales sont celles qui ont le plus grand besoin de fonds. Et nous commençons à regarder 60% de fonds aux ONG locales. Et nous avons donc les ONG internationales. Et d'un autre côté, et quel changement, quelle mesure va prendre USAID pour s'assurer qu'il y ait des donateurs intermédiaires pour que les ONG puissent avoir des fonds, plus de fonds. Et je suis ravie que le matin, Oxfam ait dit qu'ils donneraient 50% de leurs fonds aux partenaires locaux. Et ce sera très aidant. Merci donc. Merci aux panélistes pour ces excellentes présentations. Et je suis d'accord que nous devrions être optimistes. Et nous devons garder les questions de budget, les fondations, les partenariats sur des termes plus adéquats. Mais soyons pratiques un petit peu. Je crois que la mission d'harmoniser les conditions des fonds est inadéquate, puisque chaque dollar à sa propre politique, ses propres objectifs, et y compris les donateurs eux-mêmes sont contrôlés par les parlements, les gouvernements de chaque pays, le Canada,
qui ont des fonds pour la sécurité, pour l'USAID, le genre, etc. Et la question est comment simplifier les conditions des donneurs, de la bailleur de fonds, et comment faire en sorte que s'assurer que les ONG, qu'il y a des coûts et que les donateurs puissent aider les ONG à rétablir leurs propres propositions. Je sais que par expérience, certaines ONG n'ont pas les compétences pour écrire les propositions. Comment les donateurs peuvent-ils les aider et nous assurer que de l'autre côté... Et il y a de la compétition entre elles. En Jordanie, il y en a plus de 60 000. Et j'entends plus de 15 000, 60 000. Et ceci devrait être en mesure d'écouter ceux qui sont actifs sur le secteur, qui délivrent du travail. Et nous devons voir, et les donateurs devraient savoir qui est actif, qui utilise les fonds de manière transparente, et les récipiendaires devraient également convaincre les donneurs de ce qu'ils sont pertinents, qu'ils reçoivent ces données. Je crois que nous allons clore maintenant cette tour de questions afin de donner une chance à nos panélistes d'y répondre. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci aux panélistes. J'ai quelques questions directes. Et les collègues de IH, de l'Institut humanitaire de USAID, et c'était beaucoup de fonds. On entend très très mal la personne. On va demander que la personne mette son micro. Et nous obtenions des fonds d'UNICEF, mais si tout le monde ne vient pas, et c'est un processus très difficile, et pour venir à cet engagement, il a déjà été dit que comment impliquer les ONG nationales en termes de leadership, et nous voulons voir les différentes classes dans le pays et la manière dont nous percevons ceci, UNICEF et l'auteur de cela, et nous devons voir l'implication des ONG nationales, c'est quelque chose de très important et nous devons nous concentrer lorsque nous parlons de l'argent et l'engagement et la coordination. Et donc, dans ma deuxième question est adressée à M. Nims. Nous voyons que le Bureau des affaires humanitaires de l'USAID a fait un formidable travail pour financer les ONG nationales. Mais il y a un engagement de USAID que 25% devait être alloué pour des projets spécifiques. Et la prochaine question est quelle serait la prochaine étape afin que ceci soit mis en œuvre pour nous assurer qu'il y ait que ces 25% soient en effet rejoints. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions dans la pièce, mais nous allons donner la parole aux panélistes afin qu'ils puissent répondre et nous verrons si nous avons le temps pour prendre plus de questions. J'ai 7 questions maintenant écrites. Certaines d'entre elles sont adressées à Matt. Donc Matt, si je peux les répéter pour vous, il y a une question au sujet et les procédures. Et c'est une question qui est issue de cette discussion. Et nous avons eu des points forts quant aux ONG locales. Oui, ça prendrait trop de temps, de ressources. Les dossiers de candidature sont trop difficiles, trop d'efforts pour que les personnes puissent répondre aux questions. Et nous comprenons également que dans votre cas, en étant le plus grand bailleur de fonds humanitaires que vous avez. Et comment trouver l'équilibre entre la localisation, les priorités en matière de mise en œuvre? Quelles sont les prochaines étapes que vous voulez prendre pour s'assurer que l'argent aille vers les ONG locales et nationales? Et il y avait la question
au sujet du rôle de la BAJ pour s'impliquer dans les objets internationaux afin qu'ils puissent reconnaître les coûts de leur partenariat national. Voici les questions principales que j'ai notées pour vous. Vous avez la parole. Ce sont des formidables questions, merci. Et donc, tout d'abord, sur cette question de l'adéquation, de la mise en œuvre, de la, le niveau de frustration, de la conformité, du respect des règles, la frustration des ONG, de l'ONU, de tout le monde, de ce qu'il est nécessaire pour obtenir des fonds. Vous pouvez ajouter la frustration de l'autre équipe, tant sur le terrain qu'à Washington, quand c'est votre action. Je crois que Sarah, vous avez soulevé des points importants initialement. Et donc le stress et la pression. Il est vrai que ces procédures sont très longues et qu'il y a une complexité très spécifique au niveau local, quant aux ONG locales et les organisations locales. Et pour trouver des arrangements, et ceci existe. Et au niveau BHA, est-ce que pour les prochains 4 à 6 mois, et il s'agit d'essayer à regarder tous les outils qui nous sont disponibles, les fonds rapides, les fonds compliqués, les fonds pour des projets multiples, et que définir les processus qui nous permettent. Et donc, pour faire sens également, et qu'il n'y ait pas la même approche pour les mêmes situations. Et nous embarquons dans ce procédure maintenant, et nous le parlons, un processus d'attribution de fonds. Et ceci va prendre beaucoup de mois, et c'est quelque chose que nous, qui va durer, que nous allons continuer à traiter, à évaluer pendant 2, 3 ans. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique à cela, mais je pense que ceci est partagé par nos équipes en interne, notre équipe de terrain également, qui sont en lien avec les groupes sur le terrain. Et je crois que la personne de Jordanie a parlé de l'harmonisation entre tous les bailleurs de fonds. Ça, c'est phénoménal. Ce serait extraordinaire. La promesse pourrait nous affecter dans différents endroits. Je ne vais pas faire de grandes proclamations à ce sujet, mais je crois que certaines choses, par le biais du grand compromis, nous ont permis d'avancer. Mais il y a évidemment encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je crois, ceci dit, les personnes disent que USAID est l'un des plus grands bailleurs de fonds et nous avons en tant que tel une responsabilité de faire en sorte que nos processus soient plus adéquats. Et ceci me mène à la prochaine question concernant l'aspect localisation et comment faire cela? Eh bien, une fois de plus, en parlant en catégorie large, il y a deux manières fondamentalement. Tout d'abord, le niveau de fonds qui vont vers un partenaire, donc un sous-bénéficiaire, comme ils ont été nommés, et donc les fonds adressés aux sous-partenaires. Eh bien, nous devons donner aux grandes ONG internationales ou à l'ONU, nous sommes tout à fait ouverts à discuter avec tous les acteurs impliqués pour nous assurer que quand ceci sera le mécanisme, qu'il y aura une meilleure compréhension quant aux groupes locaux, aux équipes locales. Et en plus, lorsque EADI, alors que nous embarquons dans ceci, et quand nous parlons de 20%, quand nous parlons des objectifs, et ceci est l'objectif fondamental, ces fonds directs ou des partenariats directs avec les entités locales et avec les exigences de fonds qui existent. Nous commençons ceci en tant qu'agence, en tant que bureau des affaires humanitaires, nous faisons ceci, nous essayons de construire le support nécessaire pour faire cela, et cela veut dire permettre que nos
nos textes pour pouvoir prendre de fonds qui sont pas écrits dans plusieurs langues et de voir comment une entité peut fonctionner avec des fonds états-uniens, comment que ce soit plus ouvert pour des partenaires qui vivent à l'extérieur des États-Unis. C'est quelque chose sur lequel nous avons pas mal avancé et nous aurons des relations plus directes sur le terrain, particulièrement là où nous aurons une grande présence de terrain pour pouvoir faire avancer ce type de relation. Mais je crois qu'alors que nous avançons, ce sera les deux avec les plus grandes poches financières, avec les ONG, par exemple, internationales. Nous devons être en mesure de dire qu'il y a un plus haut niveau de focus sur la formation et comment ceci se traduit dans des accords différenciés pour augmenter le pourcentage de fonds. Et c'est quelque chose dont nous sommes, auquel nous sommes ouverts à parler. Et nous pouvons combiner ceci avec une meilleure distribution des fonds. C'est effectivement une manière d'avancer. Et je crois que le dernier point est... Et donc, dans l'agence, de manière générale, plus que je ne l'ai vu dans mon expérience, et c'est cette idée, fondamentalement, le changement, et cette idée que non seulement parce que c'est la bonne chose à faire au niveau auquel nous avons parlé, et pour être égaux, mais c'est également la chose la plus intelligente à faire. Non, pas seulement à cause du principe d'équité, mais je l'ai peut-être mal prononcé, mais il y a un changement de culture qui a lieu parmi les bailleurs de fonds pour dire que ça, c'est le futur. Et je crois que, comme le disait le représentant d'UNICEF, nous sommes, en tant que bailleurs de fonds, et je ne peux parler que de USAID, les ressources et les bons en plat pour parler de l'aspect de localisation. C'est là le futur et ceci va prendre du temps parce que ceci change l'état d'esprit de notre système actuel. Et d'autrefois, dans le passé, j'ai vu des changements qui allaient vers cette tendance, mais des personnes qui font ceci depuis longtemps, mais je crois que le futur sera beaucoup plus ouvert à cela pour des événements que ceci, pour une application avec IGVA, pour trouver d'autres nouvelles manières de travailler. Et félicitations également de la part des grosses ONG telles que WFP, l'UNICEF, etc., qui ont ces accords de terrain qui reflètent mieux là où nous devons aller. Et ça, ce sera un autre chemin vers ces changements. Je ne crois pas avoir répondu à toutes ces questions très précisément, mais je crois que je vais clore ici pour l'instant afin que d'autres aient le temps de répondre. Merci, Matt. Vous avez noté le changement de culture qui est très important en ce qui concerne l'état d'esprit des bailleurs de fonds. Et nous reconnaissons que ceci prend du temps et nous n'attendons pas une révolution, mais nous voulons des progrès, du changement. Ça, c'est sans aucun doute. Merci beaucoup. Nous avons hâte de poursuivre cette discussion et de créer de nouvelles opportunités pour que nous puissiez vous discuter directement avec nos membres locaux et internationaux. D'autres questions pour UNICEF? La question de ne pas seulement regarder à l'argent, mais de regarder également les partenariats et les meilleures participations, une meilleure leadership des clusters d'ONG. Quel est le point de vue d'UNICEF sur ce point? Comment UNICEF peut-il soutenir les partenaires d'ONG pour répondre aux lacunes en matière de partenariat là où ils existent? Ça a été mentionné par Ms. Sikir, mais pour dire non, vous ne pouvez pas être un partenaire en raison le résultat de votre évaluation, mais comment pouvons-nous vous aider à devenir un partenaire? Et ensuite, la question de UNICEF fait un travail de plaidoyer auprès d'autres agences onusiennes pour reconnaître les coûts